Il était une fois une petite fille qui s'appelait Rosa, née en Alabama. Sa maman était maîtresse, son papa charpentier. Ils étaient noirs mais pas libres. Son papy défendait les noirs contre le Ku Klux Klan qui venait couler les maisons des noirs. Il disait à Rosa de faire gaffe. Il lui disait aussi d'aller à l'école pour apprendre à se défendre. Il y avait une école pour les blancs et une école pour les noirs. Les enfants blancs allaient à l'école en bus alors que les noirs allaient à pied. Je veux que les blancs et les noirs aient les mêmes droits. La règle des bus. Les noirs devaient s'asseoir à l'arrière. Ils devaient prendre leur ticket à l'avant, ressortir pour rentrer derrière. Un jour, Rosa, il est assis au milieu du bus. Alors le chauffeur du bus a dit à Rosa, « C'est ta place !» Mais elle a dit non. Le chauffeur a appelé la police. Rosa est allée en prison. Les Noirs organisent une rébellion. Les Noirs boycottent les bus. C'est la grève. Ils ne prennent plus le bus. Ils marchent. Ils se déplacent à vélo. En covoiturage. Au bout de 380 jours, la loi change. Les Noirs peuvent s'asseoir où ils veulent dans le bus. Rosa a continué à défendre les droits des Noirs toute sa vie, même Mémé.